Salut Edouard, je voulais juste te dire, je suis dans une sorte de cafétéria géante ici en France. Et j'observe un peu les gens qui m'entourent, c'est incroyable, il y a toutes les races, hein. Littéralement toutes les races de la planète, sauf très peu de Français blancs, de pure souche, mais une majorité de personnes. Je ne sais pas de quelle race ils sont, mais ils ne sont pas blancs européens en tout cas. Mais bref, ça grouille de partout, il y a plein d'enfants qui courent, il y a plein de vie, les gens sont aux anges, ils ont plein à manger. Ils se rassasient littéralement pour pas grand-chose, ça ne coûte pas très cher. Et donc tu as des familles entières avec des tribus d'enfants de toutes les tailles, une mixité de races assez impressionnante ici en France, j'ai rarement vu ça. Et donc ils viennent ici pour profiter un peu d'être au restaurant sans être au restaurant, disons. C'est un restaurant, mais bon marché, où il y a quand même de la très bonne nourriture, très variée. Et les gens festoient tous les soirs. Les enfants, il y en a pour tous les goûts. Les enfants, il y a des glaces, il y a des crêpes, il y a des gaufres. Les gens sont, quelle que soit la race, ils sont aux anges en France. Ils ont tant qu'assez à manger pour pas trop cher. C'est vraiment un super deal pour eux d'être en France. Il y a quand même quelques Français, des vrais Français, on les reconnaît quand même, mais ils sont une minorité, hein, une petite minorité, pas grande, voilà. Bref, toujours est-il que j'attends ma rente là pour solutionner mon problème. Donc je te tiens au courant dès que je peux entreprendre quelque chose et passer à autre chose, quoi. Et j'estime qu'on est amis, qu'on n'est pas ensemble, ça c'est clair. Je sais, tu veux pas te marier, tu veux rester dans ton foyer, tranquille, dans ta, comme un coq en pâte. Reste-y. Marie-toi avec ta mère, va voyager avec ta mère. Sauve le monde avec ta mère. Enfin, dis-moi dès que tu es prêt à prendre tes responsabilités en tant qu'Henri V de la Croix, tout seul ou avec ta mère ou avec une princesse de ton choix. Avertis-moi. Et moi, je te dis comment ça va, si j'ai survécu demain matin au froid de cette nuit. Si je suis toujours vivante, je te tiens au courant.